Bienvenue à ce temps d'adoration du lundi 11 janvier 2021. Nous allons prendre un 10 minutes ensemble pour s'intérioriser, pour présenter à Dieu toute notre vie, tout ce que nous sommes comme personnes. Alors merci Seigneur, à travers cette présence eucharistique, de nous accompagner à travers tout ce que nous sommes. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis aujourd'hui, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Seigneur, tu as interpellé des gens qui connaissaient bien leur métier et tu nous invites à nous dépasser parce qu'il y a des choses qu'on connaît bien dans notre vie, mais toi, tu nous connais encore plus. Et quand tu invites ces hommes qui étaient des pêcheurs à devenir des pêcheurs d'hommes, tu leur dis que c'est l'humanité qui est encore plus importante. Et souvent, plusieurs d'entre nous, nous sommes appâtés par des personnes qui ont des mauvaises intentions, qui nous éloignent de toi. Et Seigneur, quand tu nous invites, nous, tes disciples, à aller vers d'autres personnes, on veut libérer les poissons qui sont destinés à mourir, mais des poissons qui sont destinés à vivre. C'est une manière de parler parce que c'était le métier de ces hommes, la pêche. Si ça avait été un autre métier, ça aurait pu être un autre métier. Mais tu veux libérer ces poissons. Et Seigneur, tu veux faire de nous des fils et des filles vivantes à ta suite. On veut te s'ouvrir à l'Esprit Saint. Alors, dans ce 10 minutes d'adoration, le premier temps sera un temps de méditation et le temps qui se poursuivra, peut-être les 5 dernières minutes, sera vraiment un temps en silence pour présenter à Dieu tout ce que nous sommes comme personnes. Je vais vous présenter ce chant que je vais utiliser quelques jours cette semaine durant l'adoration qui nous dit « Souffle nouveau ». Oui, nous voulons avoir un souffle nouveau dans notre vie. Écoutons ce très beau chant. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Prenons maintenant 5 minutes de silence à adorer le Seigneur, confions-lui notre vie, le monde.
Je te demande, Seigneur, de venir bénir notre journée, de venir bénir ce lundi. Merci, Seigneur, de faire descendre toutes les grâces dont nous avons besoin sur chacun et chacune de nous. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée.